Effectivement, comme a dit Augustin, notre objectif, c'est de faire découvrir les diverses spécialités à tout un chacun, des spécialités vers lesquelles il n'irait pas forcément. Et pour ça, voilà, on s'appuie sur des personnes originaires de différents pays. Et c'est ça qui fait notre différence, qui fait notre force et qui fait qu'on est une entreprise innovante sur le territoire. Si on parle d'évolution personnelle, et ben effectivement, avant ma cooking, je ne me sentais pas capable de monter une entreprise, de faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, de participer à des festivals de renom comme Terre du Son, de nous créer notre festival, enfin de faire toutes les actions qu'on fait. Et grâce à ça, j'ai pu découvrir une force en moi que je ne soupçonnais pas et qui fait que j'ai envie d'avancer, qu'on a encore envie d'évoluer, qu'on a plein de projets en tête et qu'on va tout faire pour réussir. C'est plutôt une anecdote. En fait, on a pour habitude de se lancer des défis. Et le premier défi, est celui à notre participation à la première, enfin, à notre première participation à Terre du Son. Et en fait, les défis de ce type, on en a pas mal, mais c'est celui de Terre du Son qui est plus marquant. Quand on a décidé d'y participer, on n'avait aucune expérience de festival. Et puis, on s'est dit, allez, on y va, on dépose notre candidature et advienne que pourra. Donc, du coup, quand on a reçu l'accord pour participer, on s'est dit, OK, alors là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire? Qu'est-ce qu'il faut, machin? Donc, du coup, on s'est débrouillé, on a cherché, on a acheté du matériel, on a recruté des bénévoles, on a loué du matériel, on a fait appel à nos amis, à nos familles, à notre famille pour nous aider. On y a été. Et puis, on a cartonné, quoi. Tout le monde était content de découvrir nos spécialités. Et depuis ça, ben là, ça va faire la troisième année qu'on participe au festival et on compte y aller encore. Et puis, en fait, ça a été notre premier gros challenge et aujourd'hui, on fonctionne comme ça. C'est qu'on ne se pose pas de questions. Dès qu'il y a un truc à faire, on accepte, on dit oui. Et après, on essaie de trouver les moyens d'y participer. Et puis, généralement, ça se passe bien. Je pense que c'est ça, on est parti comme ça. Et puis aujourd'hui, on trouve les moyens de réussir. Et puis, ça nous a toujours réussi depuis. Et je pense que c'est la plus grosse anecdote. On en a d'autres, hein, parce que c'est toujours, les expériences sont différentes à chaque événement, que ce soit un festival ou une livraison traiteur. On a pas mal d'expériences et c'est ce qui fait la force un peu de notre action, Map Cooking. Et puis le fait qu'on s'entende bien aussi. Elle est là pour me canaliser parce que Oui. je suis une boule de Une feu. boule de feu. En fait, on a le feu et on a l'eau. Ouais. On essaye de. Enfin, c'est vrai qu'on utilise des produits, disons, exotiques. Après, pour faire découvrir nos spécialités, on n'a pas trop le choix. Mais dans d'autres recettes, on essaye d'utiliser des produits de saison. Et puis voilà, on évite le gaspillage en faisant les commandes à la demande. Et puis, on essaie de jour en jour de s'améliorer par rapport à ça.